Donc aujourd'hui, on va reparler couteau. Vous connaissez tous le Mora Compagnon. Donc c'est communément admis quand même que c'est le couteau bushcraft par excellence. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la mouvance survivaliste ou bushcraft ont tous ce couteau. Et on va dire quand même que ça reste la référence depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc ça fait une note quand même de 15 sur 20 qui est assez honorable pour la référence du bushcraft à l'heure actuelle. Donc note moyenne, effectivement 15 sur 20 pour le boss suédois. Donc on va voir en fait si le panel de couteaux qu'il y a autour de cette référence peut venir concurrencer le Mora suédois. Ici, on a donc du Outaforce, du Soloniac, du Baco, du Fiskar. Et vous allez voir que ce sont des couteaux de moins de 20 euros quand même qui permettent d'avoir plusieurs atouts comparés aussi aux compagnons. Ok, reprise de la vidéo les amis, dédicace à Pascal. Donc suite, sur le terrain, vous avez vu nos critères d'évaluation et la présentation du Mora. Là, on a toute une sélection de couteaux donc dans la même gamme de prix qui vont pouvoir faire le même travail. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être moins bien. Donc on a plusieurs modèles à vous présenter. On va faire critère par critère sur ces modèles-là. Premier couteau qu'on va voir, le Baco Laplander ou le Baco 2444. Une grosse copie très proche du Mora qu'on va voir dans le détail. Ensuite, le Fiskar K40. Lui, couteau jardinier vraiment, vraiment low cost. Le Mora 546. On reste chez Mora, mais on part sur un autre modèle qui a peut-être des bons points à creuser. Ensuite, le Soloniac 6K100 donc de Decathlon, largement utilisé normalement pour la chasse, aussi couteau low cost. Donc le Outaforce AR38, couteau de bricolage. Couteau bricolage aussi, aussi low cost en fait. Et pour finir, son grand frère en fait, le plus cher, le Outaforce OKFOR, qui lui est plutôt orienté justement survie bushcraft que bricolage. Ok, donc premier critère, les lames. Alors les lames, on va s'intéresser plutôt au niveau métallurgie, à savoir leur durabilité, leur facilité de mise en œuvre au niveau de l'aiguisage, et ensuite aussi leurs conditions d'utilisation. Ouais, vous voyez, ça tombe bien, il neige, donc on va commencer tout de suite avec un couteau en acier inoxydable, donc le Baco Laplander, qui lui, un acier donc on suppose 12C27, voilà. Donc 12C27, très bon acier inoxydable, donne très bon rapport qualité-prix, qui aura une dureté aux alentours de 57 HRC, donc très très bien pour du travail de coupe, on va dire, polyvalent, d'accord. Épaisseur de lame assez intéressante également. Il résistera très bien au milieu, donc plutôt aqueux, pas forcément maritime non plus, mais c'est un bon couteau pour la pêche, typiquement, c'est pas mal, quoi, voilà. Donc pour la lame de ce Baco 2444, on est tous les deux à 4 sur 4. On est sur une copie de Mora, peut-être même fabriquée par Mora, une très bonne lame de la même qualité qu'une Mora en, voilà, en inox. 10,5 cm, un peu moins de 2 mm peut-être d'épaisseur, mais honnêtement très très bien. Les moutures, on le verra par rapport au compagnon. Si je le prends, on voit que le fil en fait de l'émouture et un peu plus bas en fait sur le Baco, ce qui lui confère à mon avis une meilleure résistance en fait, donc un peu mieux à mon avis pour le travail du bois. Ensuite on continue, celui-là ça va être le même, d'accord, donc ce qu'ils appellent stainless, ouais. C'est pas une marque, faut pas oublier, ouais. Donc non, ça sera aussi du 12C27 à inox, lame plus courte. Qui, ouais, dit lame plus courte, un petit peu plus petite que sur le compagnon. Ouais. On est sur une lame d'environ 9 cm. Voilà, 9 cm, même épaisseur, mais du coup meilleure résilience, c'est vraiment le terme, c'est-à-dire que la lame aura plus une facilité à... Elle va mieux résister à la torsion, ouais, et tout ça. À se tordre sans se rompre. Donc très bonne lame aussi pour la même, on va dire, la même tenue de coupe. On est tous les deux à du 3 sur 4 pour cette lame-là. Moi, j'ai tendance à dire bon, 3 sur 4, 4 sur 4 pour cette lame-là. Peut-être un petit peu plus courte, peut-être un petit peu moins capable qu'une lame un petit peu plus longue pour certains usages, mais... Effectivement, on ne pourra pas faire tout ce qu'on peut faire avec un Mora ou un Baco par exemple, voilà, au niveau taille de lame. Ensuite, le Fiskar. Le Fiskar Zestin. Le Fiskar Zestin. Le Fiskar K40. K40, donc déjà qui est quand même très très léger. Combien on a dit, 76 grammes, un truc du genre, 70 grammes. 70 grammes. 70 grammes, le Fiskar K40. Lame pareil, équivalente en fait. Lame d'environ... Un peu plus courte, donc plutôt... Ouais. Environ 9 cm de lame. Ouais, plutôt au niveau de ce Mora. Par contre, lame, clairement, là je vais être très méchant, lame dégueulasse. Ce n'est pas une émouture scandinave. Une émouture en V, un peu
Très mal fini. Ouais, fait. Très mal fini, un peu convexe. On ne sait pas exactement quel acier c'est, on sait que c'est de l'inox. Moi, personnellement, je penche pour du 440A, donc vraiment un acier de merde, clairement. On va après en parler de l'économie, de l'ergonomie, mais globalement, on a mis une note très mauvaise sur cet acier. Très mauvaise sur ce couteau, on a mis tous les deux 1 sur 4, pour cette lame. On parle vite fait du montage de la lame. On en parlera pendant l'économie. Pour l'économie ou... ouais. Donc juste pour conclure sur la lame, lame vraiment très bas de gamme, vous allez avoir du mal à ensuite bien la rafuter, ça sera quand même très compliqué, même si sortie d'usine, franchement, elle fait le taf. Ensuite, le Solognac 6K100, donc lame inox, lame, le couteau de Decathlon, made in China. Made in China 5CR15, un peu mieux que du 440A, moins bien que du 12C27, quand même, il ne faut pas se leurrer. La dureté ne sera pas au rendez-vous, mais globalement, ça sera quand même un couteau qui pourra faire le taf, on va dire. Voilà. Sans péter trois pattes à un canard, ça reste quand même un acier convenable pour de l'inox. Mais on a mis une note, j'imagine, inférieure on a mis tous les deux 2 sur 4 pour cette lame-là. Cette lame-là qui a réputation d'avoir la pointe qui se casse, justement, peut-être parce que l'acier est trop dur ou la pointe qui est trop fine. Donc la pointe est vraiment trop fine par rapport à l'acier. Et globalement, effectivement, c'est pas du tout un couteau normalement qu'il faut utiliser pour vraiment planter. Il est fait normalement pour HV, mais à mon avis, s'il rencontre un os, typiquement du gibier, c'est pas vraiment ce à quoi il est destiné, quoi. Et pareil pour les moutures, c'est du pseudo scandinave, c'est pas vraiment, c'est du pur V en fait. Et vous voyez, c'est moins rond en fait qu'en bout de lame que le soft point qu'on trouve sur les Morak Knife. Et globalement, donc, c'est bien pour pénétrer, c'est pas forcément très bien pour dépecer, alors que normalement c'est un couteau dit de chasse. Concernant le Hoot & Force, je vais les présenter ensemble en fait, puisque en gros ce sont les mêmes lames. Ce sont les mêmes lames, sauf qu'il y en a une qui est revêtue en fait. Donc ce sont des lames en acier carbone, vous savez que j'adore l'acier carbone. J'ai pas vraiment réussi à trouver quelle nuance c'était. Je penche entre du 10-75 et du 10-95. Globalement ce sont des lames très épaisses, d'accord. On est là sur du 3 mm. Pareil au niveau longueur, elles s'apparentent donc à du 10 mm. Environ, pardon, 10 cm. Ouais, 9,5. Ouais. Donc pareil pour les longueurs de lame, ça paraîtra du 10 cm, 9,5. L'émouture sur le Hoot & Force Hockey Fort est très très bien. C'est une vraie émouture scandinave. Là, elle est un peu moins travaillée. Forcément, ce ne sont pas les mêmes couteaux. Celui-là coûte beaucoup plus cher, environ deux fois plus cher que celui-là. Mais par contre, l'acier est le même. Par contre, on verra qu'il est moins travaillé, notamment au niveau du soft point ici. Là. Voilà, globalement, cette lame sera plus facile pour la pénétration dans le gibier que le Hoot & Force du AR38000-0020. Sinon, très très bon acier. Donc, combien on a mis sur celui-là, le low cost? Moi, sur les deux, j'ai noté 3 sur 4 la lame. Ok. J'ai des petits défauts. Toi, tu as noté 4 sur 4 la lame du OK4. Ouais. Du OK4. Pour peut-être ses qualités de finition, et l'autre à 3 sur 4. Voilà, donc effectivement 4 sur 4, moi excellent acier, personnellement c'est mon acier de prédilection. On va revenir, moi le vrai couteau qui concurrence le Mora pour moi c'est le Hoot & Force. Et celui-là globalement a une très bonne lame mais est moins juste travaillé. Voilà. Alors critère suivant, l'ergonomie du couteau par rapport à la prise en main du manche, par rapport à l'utilisation générale, par rapport à l'étui, etc. Donc on va repartir sur le Baco. Alors le Baco qui a comme bon point par rapport à l'ergonomie, c'est tout comme un Mora Compagnon, hein. C'est exactement le même format, la même prise en main, etc. La différence c'est sur le grip. Le quadrillage est excellent franchement, au niveau du maintien, même là avec les gants, je sens que je vais pas glisser quoi, c'est vraiment parfait au niveau maintien, un peu plus quand même que le Mora, il faut le dire. Donc voilà, sinon au niveau de l'ergonomie, c'est tout comme un Mora, donc l'étui est bon, il retient bien la lame, enfin l'étui est très ajouré comme sur un Mora pour facilement attraper le couteau. Le couteau est bien retenu, on peut facilement mettre l'étui à la ceinture. Donc il y a aussi ici le passage de bouton. Gros point, on verra que tous les étuis ne l'ont pas. Ici le petit talon pour pouvoir retirer en fait le couteau juste de la main. Donc c'est très bien notamment quand on est à chasse, qu'on a une carabine par exemple de la main gauche. Là c'est parfait pour ensuite juste de la main droite retirer le couteau.
potentiellement achever si on a besoin. Franchement, au niveau du grip et du maintien, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est cette garde un peu pas assez prononcée à mon goût. Voilà, mais globalement, ça reste du très bon travail, aussi bien pour travailler le bois que pour faire du menu travail, on va dire, pas de très gros travaux. Voilà. Et pour, je suis d'accord avec toi, vraiment l'étui en soi est parfait, moi je trouve. Il est épuré, il est simple, voilà, il est efficace quoi, globalement. Donc là, au niveau de la note. Toi, tu étais à 3 sur 4 par rapport au défaut de garde, comme sur le compagnon qui te gêne un petit peu pour, pour chasse et pêche. Mais pour moi, je suis à 4 sur 4 justement parce que le grip est majoré pour mon usage, encore une fois, pas chasse et pêche, mais plus autour du camp. Ça me convient bien. Alors, le 546, donc le mini Mora avec cette grosse garde, là au niveau de l'ergonomie, franchement, on est pas mal. C'est vraiment un couteau que j'ai. Personnellement, j'apprécie beaucoup pour ça. On a une meilleure garde aussi bien au talon que là à l'avant. Ça, c'est quelque chose qui te plaît aussi sur ce couteau. Clairement, moi, il gomme les deux défauts que je trouvais sur le Baco et le compagnon. Là, vraiment, je peux mettre le pouce, je peux ouvrir du gibier de bas en haut sans souci. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Le seul reproche, effectivement, c'est que c'est un peu glissant. Chose qui manque par rapport au compagnon et par rapport au Baco. Et aussi, chose qu'on peut rajouter, c'est le petit talon ici qu'on voit, qui est plat. Vous voyez, contrairement à d'autres couteaux ici où il y a des angles, on sent que ce couteau est utilisé quand même vraiment pour je sais pas, de la maçonnerie, ce genre de choses quoi. Ça reste un couteau artisan, on peut taper quoi facilement, casser des noix, ça reste le café, voilà, ça reste quelque chose de polyvalent. Moi j'aime beaucoup personnellement l'étui aussi, ça reste globalement le même système. Ici on arrive aussi à retirer du facilement. Très bien, l'étui est très bon aussi. Au niveau des notes, à moins que tu aies des choses à rajouter. Non, vas-y. Toi, tu es monté à 4 sur 4, justement, pour cette bonne garde. Alors, ouais, clairement, moi, la garde sur un couteau, c'est assez important. Le fait qu'il y ait ce petit talon aussi, ok, ça glisse, mais le polymère reste quand même assez granuleux, il n'y a pas trop de soucis. Moi, personnellement, c'est exactement ce que je recherche sur un couteau au niveau grip. Voilà, c'est parfait pour moi. Pour moi, je suis à 3 sur 4 comme un compagnon, c'est-à-dire qu'on gagne en sécurité avec la garde, mais on perd en grip par le manche en plastique dur. Donc je suis à 3 sur 4 et pas à 4 sur 4 de mon côté, pour mon goût. Alors, notre ami Fiskars. Le Fiskars, on va pas se le cacher, autant vous l'avouer, c'est quand même le pire de la catégorie. C'est vraiment dégueulasse, c'est de la merde pour moi, clairement. Non, mais autant être honnête. Donc en plus de la scie qui m'a dit était dégueulasse, le plastique, mais alors il glisse, c'est un truc de taré, vous pouvez rien faire avec. Malgré la garde assez prononcée qui est intéressante, franchement c'est dégueulasse au niveau du maintien. On ne peut pas faire grand chose, c'est mal réfléchi, il n'y a pas vraiment de repose de pouce, il n'y a rien du tout. L'étui en soi, ce que je vous disais par rapport au petit talon qui permet de retirer vraiment d'une seule main, mais ça y est pas, on voit les petites serrations ici, mais franchement, je n'y arrive pas. Voilà, allez, hop. Ouais, faut les deux mains pour y arriver facilement. Sans, voilà, mais donc c'est un couteau à deux mains, un couteau fixe à deux mains. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Je veux dire, si vous l'avez à la ceinture, vous pouvez pas le retirer avec une seule main. Aussi, chose un peu conne, il faut l'avouer, c'est sur le passant ceinture, c'est pas un passant clipsable, d'accord. Il faut faire passer la ceinture dedans, ce qui est quand même beaucoup plus chiant. Donc globalement, moi, vraiment, pas du tout satisfait de l'ergonomie de ce couteau. Il est mal pensé, c'est pas fait pour la chasse et la pêche en milieu humide. Pour le gros travaux, ils disent ça qu'en fait c'est fait pour normalement le jardinage. Même le jardinage quand même, j'ai envie d'avoir un bon maintien au niveau de la main. Quoi. Ouais, plutôt avec des gants de jardinage ou quoi. Donc au niveau des notes, toi t'es à 1 sur 4, ouais. Mauvaise ergonomie. Moi je suis un petit peu plus gentil à 2 sur 4 parce qu'il y a la garde. Que j'aime bien, mais après la prise en main effectivement est pas très confortable, c'est glissant, l'étui est mauvais, donc mauvaise note pour nous deux. Ensuite le Soloniac 6K100, pareil au niveau de l'ergonomie il y a du bon et du moins bon. Donc personnellement au niveau du 6K, au niveau de l'ergonomie, donc au niveau de la lame j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est pas assez arrondi à mon goût, donc pour dépecer c'est pas super typiquement. Ensuite au niveau du maintien, c'est pas si pire j'ai envie de dire, c'est pas si pire. Par contre c'est assez anguleux, voilà, c'est pas bien ajouré comme sur Emora. Donc d'un côté c'est pas mal pour avoir un bon maintien. Après ça glisse un petit peu quand même, ça glisse un petit peu. Ce qui est sympa, il faut l'avouer quand même, c'est la dragonne aussi. La dragonne, moi j'aime bien avoir un petit dragonne sur un couteau, donc c'est un plus. Au niveau de l'étui, bon, y a pas grand chose à dire, il est ni bon ni mauvais. Voilà. On peut facilement aussi retirer la lame avec le pouce. Le clip ceinture est pas mal.
ça reste du standard, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas beau, c'est pas non plus moche, c'est très neutre, voilà, c'est très neutre. Le clip, la garde n'est pas très prononcée, mais on arrive quand même à avoir une bonne prise en main. Même au niveau du repousse-pousse, c'est pas si mal, voilà, c'est pas si mal. Au niveau de l'ergonomie sur le Soloniac, je l'apprécie pas trop à ce niveau-là. Effectivement, très anguleux. Je suis pas très confortable avec, surtout la partie intérieure au niveau de la main. Effectivement, ça tient en main, mais c'est pas hyper confortable. Il y a des bons points, comme le dos de la lame qui permet de gratter le Fire Seal, qui est quand même bien anguleuse avec des bonnes arêtes. Mais bon, je suis pas convaincu. Par la prise en main, le design, je suis pas très à l'aise. L'étui, pareil. Le couteau est très bien retenu, mais limite trop. Enfin, c'est assez galère de récupérer le couteau, même en poussant avec le pouce sur le petit talon là pour récupérer le couteau. Même ça, c'est trop dur. Mais c'est clipsable sur une ceinture. Donc il y a du bon et du moins bon, mais je suis quand même assez réservé. Je l'apprécie pas trop à ce niveau-là, donc je suis à 1 sur 4. Et toi, 2 sur 4. Donc 2 sur 4 pour moi et 1 sur 4 pour Vic. Alors ensuite pour les Ulta Force. Donc on va commencer par Ulta Force AR38, le moins cher. Alors au niveau du maintien, ce que j'adore c'est que c'est gros. Voilà, on sent que c'est fait pour des mains de maçon, on sent que c'est pour couper du béton, vous voyez. Il y a une très bonne garde ici, c'est vraiment nickel. Par contre le manche en polymère glisse un petit peu, voilà. Mais les deux gardes de chaque côté font qu'on a un très bon maintien. Là je peux le mettre ici et taper derrière, vu le dos de la lame en plus qui est assez important. Taper pour casser de la brique, il n'y a aucun souci. Pareil, l'étui personnellement, alors moi les étuis des Ulta Force sont mes préférés globalement. Je les trouve même mieux faits que ceux des Mora, plus effilés, le plastique est un peu meilleur. On arrive très facilement à retirer d'une main avec la petite talonnette aussi qui est là. C'est le même système au niveau du clip ceinture et aussi du bouton. Pareil ici, le petit trou pour évacuer donc la rétention de l'eau. Pas grand chose à dire, moi c'est un 3 sur 4 ouais. Parce que c'est pas parfait au niveau du glissement du manche à la main. Mais sinon, très bonne ergonomie de ce couteau. Ce que je te disais la dernière fois, en fait, si j'avais un couteau que je vais vraiment partir à l'aventure et devoir casser des choses avec, je prendrais ça, quoi. Ouais, moi, par rapport à l'ergonomie, je suis à 2 sur 4. Pareil pour le petit côté glissant. Je suis assez limité sur le manche, mais l'ergonomie totale est pas mal. T'es pas satisfait toi sur le manche, tu me dis, globalement. Ouais, je trouve qu'il est un peu trop glissant. L'autre Ulta Force est peut-être supérieur au niveau du manche. Ah, l'autre il a les serrations qui sont différentes. Là, effectivement, c'est rond, mais c'est pas très confortable, c'est glissant. En fait, on peut facilement améliorer ce problème en mettant simplement un petit peu de chambre à air ici, quoi. Ouais, par exemple. Bon, voilà pour l'ergonomie sur le AR38 et donc pour le Hockey Fort. Le Hockey Fort, on enchaîne. C'est supérieur. Ah, là, franchement, pour moi, ça reste ma référence, clairement. En termes d'ergonomie de manche, on a une très bonne garde, beaucoup mieux que sur les Mora. Pareil aussi au niveau du bout. Et là, en fait, vous voyez, hein, toutes ces petites serrations là, c'est avec un plastique en plus qui vraiment retient. Enfin, moi, il n'y a aucun souci là, hein, ce type de couteau. Il y a un très bon grip, même pour ouvrir du gibier. Il manque juste peut-être un petit peu des serrations au niveau du pouce ou de l'index. Pour dépecer, et on peut très facilement aussi dépecer avec ce profil de lame. L'étui, ben, je l'ai déjà dit, hein, c'est pareil que l'autre, sauf qu'il y a ce tout petit passant ceinture qui est en plus amovible ici. Rien à dire, effilé, très discret, très homme gris, personnellement très satisfait de l'ergonomie de ce couteau. Même le poids, en fait, il est vachement bien équilibré, je trouve. Clairement, ça reste pour moi ma référence en termes d'ergonomie. Donc pour moi c'est un 4 au niveau de l'ergonomie, clairement. Pour moi c'est un 3 sur 4, mais c'est juste une première impression parce que je connais pas ce couteau, que j'ai pas. En fait je l'ai pas utilisé pendant des années, je vois juste comme ça, je l'ai pris en main, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai un vrai retour. Donc je l'ai noté à 3 sur 4 parce qu'effectivement le grip est très bon, la prise en main est très bonne. Après faut voir l'usage. Alors ensuite la polyvalence d'usage. Est-ce que ces couteaux vont être si polyvalents que ça? Lesquels vont être mauvais ou trop spécialisés? On va voir ça dans le détail. Alors on revient sur notre Baco, notre copie de Mora. Est-ce que tu le réserves pour toi à tous les usages ou s'il va être moins polyvalent qu'un Mora? Alors pas pour tous les usages, par contre ce que j'aime bien c'est qu'il est cohérent avec lui-même. Il est destiné plutôt pour de la pêche. Et en fait il est très bien, on va dire que la faculté de pénétration au niveau de la pointe est très bien, les moutures aussi, pour vider du poisson, sur la chose, c'est nickel. Je ne pourrais pas faire de très grosses œuvres en fait, vu l'épaisseur de lame qui est en deçà de 2 mm,
Donc clairement, c'est pas un couteau de camp. En plus, au niveau de la soie, je pense, franchement, c'est pas très lourd. À mon avis, c'est du demi-soie ou genre de choses. C'est pas non plus exceptionnel. Mais quoi qu'il en soit, c'est un couteau qui est cohérent, qui est fidèle à lui-même. Et personnellement, j'aime bien ça en fait. Donc moi, je le réserverai pour la pêche, de la chasse, pourquoi pas, hein, pour pouvoir un peu dépecer, même si ce ne sera pas l'usage, l'usage quand même ultimum. Ouais, non, ce ne sera pas l'usage. Conseiller. Ensuite, pour le camp, clairement, il est un peu léger. Il est un peu léger. Pour du menu travaux, ce serait très bien, mais pas pour du gros travaux. Moi, pareil, pour moi, pour mon usage autour du camp, donc petits travaux, petit travail du bois, cuisine, etc., je l'ai noté à, de mon côté à 3 sur 4. Donc, toi aussi, d'ailleurs, à 3 sur 4. 3 sur 4, oui. Pour moi, à 3 sur 4, parce que ça va. C'est comme un mora, donc je vais pouvoir faire des petits taillages de bois, je vais pouvoir lever des feather sticks, faire des petites sculptures, tout ça. Mais pour la cuisine, par exemple, ça va être un petit peu galère à cause de l'émouture, la longueur de lame, l'épaisseur de lame, etc. Ça va pas faire des choses très fines, mais ça va suffire, mais c'est pas le, non plus le plus polyvalent du monde. Et pareil, pour les gros travaux, ça va être trop limité, trop léger, trop fragile, on va pas aller bâtonner avec ça, mais comme avec tous ces couteaux. Donc en tout cas, pour le baco, c'est quand même pas mal, 3 sur 4. Le 546, moi, petit coup de cœur, je lui ai mis 4 sur 4 sur la polyvalence. Pourquoi ? Parce qu'il est court en fait. Et s'il est plus court, ça veut dire que du coup, il aura moins tendance à se déformer. J'ai l'impression aussi que la soie est un peu mieux répartie globalement au niveau du poids. On voit que ça penche bien sur le manche aussi derrière. Donc je le trouve plus costaud du fait qu'il soit assez court. C'est un couteau qui ira très très bien pour la pêche. La chasse aussi, en fait, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis malgré la longueur de lame. J'arrive à mieux le prendre en main que le Laplander pour, par exemple, le dépecer. Je pense que c'est notamment lié à la garde, en fait. J'arrive à bien mettre le majeur en fait, sur la garde, comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Pareil, ensuite, polyvalence, ben, on a parlé, la petite talonnette ici, ce genre de choses. Moi, c'est enfin, moi, je l'ai pas en main, c'est ton couteau à toi. Hein. Ouais, que j'utilise beaucoup. Ouais. Voilà, globalement, avec le hockey fort, ça reste un super couteau de polyvalent, quoi, clairement. Ouais, donc tu es à 4 sur 4 ouais. Pour la polyvalence de ce couteau. Moi, je suis à 3 sur 4 parce qu'effectivement, on gagne quelques points sur ce couteau par rapport à sa petite taille. Mais bah, on va perdre en polyvalence pour certains usages parce que la lame est un tout petit peu plus courte, seulement d'un centimètre. Donc, c'est pas non plus pénalisant. Donc, je suis à 3 sur 4 aussi, comme les Mora et comme le Baco. C'est équivalent. Le Fiscar, on revient à notre bon Fiscar. El famoso Fiscar. El famoso Fiscar, de la merde encore une fois. Alors, on en revient sur la soie, c'est assez important. On en va en parler tout à l'heure, vous allez voir, le couteau est assez intéressant par contre sur un point. C'est que le manche est vidé, donc on peut y mettre des choses à l'intérieur. Par contre, la soie, clairement, il n'y en a aucune. Hein. Donc ce couteau, c'est pour moi du jetable. Hein. Si vous plantez dans du bois, vous faites ça, là, c'est cassé au niveau du manche, c'est direct. Hein. Donc au niveau de l'usage, faut pas se leurrer, ça va être très très limité. Moi, couper de la ficelle, couper un oignon, et c'est tout, on va dire. Allez, vider une truite parce que c'est un corps très mou, mais je ne rencontrerai pas des corps durs avec ce type d'acier, ni avec ce type de manche, hein, clairement. Donc je sais plus combien j'ai mis, mais je crois... Et 2 sur 4. 2 sur 4, ouais, donc j'ai mis 2 sur 4. C'est un peu gentil. C'est un peu gentil, peut-être même ça méritait un 1. Mais après, ce qui est... Non, je crois que j'ai mis à 2 parce qu'en fait, la garde est quand même pas mal. Oui, et quand même, voilà. C'est le bon point là-dessus. Donc, ouais. Donc la garde est pas mal. Et ça permet quand même, mine de rien, de faire des travaux un peu plus conséquents que quand on n'a pas de garde. Mais sinon, après, au niveau polyvalence, c'est pas pour moi du tout un couteau polyvalent. Ce que je te disais, Vic, en gros, c'est un couteau, moi, que je vais laisser dans ma voiture, dans la boîte à gants, pour faire des travaux de merde, clairement. En backup, des petits bidouilles. Ouais, c'est un petit backup, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en plus, dedans, on peut y mettre des choses. Mais c'est un backup que de voiture, pour moi. Ouais, pour moi, je l'ai noté à 1 sur 4, justement, à cause de ce manque de solidité au niveau de la lame qui est seulement montée là au début de l'étui, au début du manche, pardon. Donc, on va faire la même chose avec ça qu'on va faire avec un opinel, quoi. Des tout petits travaux, oui, la ficelle, couper un oignon, ok, mais voilà. C'est quand même très limité, donc 1 sur 4 pour moi. En fait, c'est une bonne conclusion, ce que tu viens de dire. Je pense que tu as dit un opinel, en fait, il pourrait faire le travail d'un pliant alors que c'est un fixe. Ouais, ce qui est illogique en soi, ce qui est dommage. Ce qui est assez illogique.